Direction Malaga, pendant qu'ils font la fiesta, nous on y va et surtout on va remplir l'eau avant. Vaut mieux avoir de l'eau que ne pas en avoir. Donc ici il y en a, on va en profiter. Let's go. Ah, pour manger la viande, on les voit les jeunes. Hein? Malaga, j'espère que vous kiffez bien. On va essayer de découvrir un petit bout de la ville parce qu'elle est immense. Let's go, on y va.
aller sur une petite place tranquille. Alors là, on va me demander pour secours sans frontières, des choses comme ça, mais je ne pourrais pas. Regardez-moi ce soleil qu'il y a. Chaud quand même. Hein. Bon allez, vaut mieux aller vers la plage histoire de se faire un peu de bien. Vous en pensez quoi? Ouais, mais il faut participer les gens aussi. Hein. Allez, mettez-moi en commentaire. Ce sera les pronostics. Vous pronostiquez quoi? La plage ou le fourgon et direction Gibraltar? La dernière étape d'ailleurs. C'est la dernière étape là, Malaga, directement Gibraltar. Peut-être qu'on va quand même sortir de la ville. Alors peut-être qu'on va quand même sortir de la ville histoire de respirer un peu. Est-ce que c'est utile, c'est pas utile? On aura le temps de voir ça sur la route. Alors la prochaine étape, comme je disais, Gibraltar, ferry pour le Maroc. Et au revoir le continent européen et bienvenue au continent africain. Ce sera dans le prochain épisode certainement. En tout cas, on fera tout pour. Donc restez connectés pour pas changer. Ça c'est la vraie plage, franchement, avec beaucoup de cailloux, beaucoup de fer, avec des barreaux comme si on était en prison. Non, rien de mieux. Moi franchement, c'est là-dedans que je me baigne. Ouais, vous allez dire, il raconte n'importe quoi. Ben en fait, ça c'est moi tout le temps en fait. Et c'est ça. Bon, voici l'entrée, on y rentre. Bon, vous avez bien compris que c'était une blague, bien sûr. Et c'est pas du tout la mer ici. Mais qui sait, ce n'est peut-être pas bien loin. Elle est là, la plage. La mer est là. Un petit coup de tyrolienne. Oh. On a tout ce qu'il faut. Ça tombe bien. Saint-Andrés. Il y a même des douches. Je suis garé là-bas. On va pas gaspiller l'eau et utiliser l'eau d'ici, ça sera mieux. Donc logiquement, c'est une super longue et belle plage. Moi qui pensais voir quelque chose, mais c'est un peu loin je pense. Je pensais voir le Maroc d'ici en fait. Je pense que c'est pas trop possible. Pas trop l'air d'avoir grand monde dans l'eau. C'est calme en tout cas, on est éloigné de la route. Ça fait super du bien. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes me l'ont dit, que ce soit en France ou même en Afrique. Franchement, en tant que noir, faire ce retour vers l'Afrique, c'est vraiment un message. Et vous êtes les pionniers. En tout cas, le faire en fourgon aménagé. Alors en voiture, oui, il y en a qui l'ont déjà fait. Faire en
Même en moto, il y en a qui l'ont déjà fait. Mais vraiment, là, en fourgon, en prenant tout le temps. Et puis voilà, à l'époque dans laquelle on est là, parce que beaucoup se freinent parce qu'ils ont un travail ou parce qu'ils ont ci ou ça. Voilà, ce sont les raisons. Chacun a ses raisons, peu importe. Mais voilà, il faut... Il y en a beaucoup qui souhaitent faire ce départ. Et ben là, on le fait. Je suppose que au prochain épisode, vous verrez l'arrivée sur les terres africaines. Donc voilà, aujourd'hui j'ai racheté ça parce que celui que j'avais, du coup j'avais dit que je l'avais réparé, mais il est retombé en panne direct. Alors je l'ouvre avec précaution au cas où s'il faut le retourner. Alors celui-ci fonctionne à 240 volts. Pour continuer, bon, je vais éviter de le faire fonctionner là, et j'aurai besoin de le faire fonctionner au 12 volts avec USB. Et du coup, il fait 5 volts. Logiquement, donc le matériel fonctionne avec du 5 volts. Ouais. Maintenant, il faudrait juste voir si l'embout est le même embout que celui que j'ai déjà en USB. Voilà. On va mettre le carton là, ça va sortir. Ah, une petite Alto Park. En profiter pour faire ça avec ce gros sac que j'ai dans le dos là. USB-C. Donc voilà, c'est encore mieux que mieux. Donc le fil de mon portable, de mon propre portable rentre. Que demande le peuple. Et du coup il n'y a pas de... Ah, ça doit être à l'intérieur. Ils disent que l'adaptateur est vendu avec, mais... Il est là dedans. Et ouais, il est là-dedans. Donc on se rend bien compte que c'est pareil que les portables. Donc c'est génial. Donc c'est pareil que mon portable. Il n'y a plus qu'à le mettre de l'eau dedans. Et puis passer des nuits un peu plus fraîches. En tout cas vis-à-vis de l'air. Soit pas trop sec. C'est l'idéal. Et donc voilà, pendant 72 heures, ça fait l'affaire. Alors, du côté d'Action et autres, je sais que vous pouvez trouver des trucs comme ça, pas très cher. Celui-là, il a quand même coûté, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et il les vend aussi en France. Et voilà, la marque Clindo. Alors, c'est pas un placement de produit du tout, du tout. On vient d'aller l'acheter. Donc, étant donné que c'est à mon goût, ouais, je vais quand même le remettre dans sa boîte pour le ramener. Après le plastique, tout ça, on s'en fout. Et vu que le sac, il est blindé aussi. Donc voilà, une fois arrivé sur place,
Vous regardez comment ça fonctionne. À tout de suite. Moi, bon, après avoir bien mangé, on a fait un petit tour du côté de la mer. Ici, il y a la mer. On voit pas forcément. Et là, donc on se trouve, bonne question, il n'y a pas le vous êtes ici? Non. Et en tout cas, il y a plein de plages, la playa. Et Santa Ana, nous sommes juste ici. Là, Santa Ana. Donc du coup, on a laissé Malaga pour descendre là. Alors tout le long, il y a des plages, il y a l'autoroute qui passe là d'ailleurs. Donc on va tenter d'arriver jusqu'à Gibraltar qui est de ce côté là pour arriver du côté de l'Espagne. Mais voilà ce qu'il fallait voir. On va bien voir là. Il y a des points en hauteur où est-ce qu'on doit avoir des belles vues. Mais bon, je pense pas qu'on aura le temps de voir ça. Et donc on va plus se concentrer sur Gibraltar. Ce sera mieux. Allez, let's go. Trouver un petit parking sympa. Juste là. Alors hier on a mangé ici. En fait c'était de l'autre côté. On est vraiment à quelques secondes de la playa. Regardez-moi ça. La plage est juste là en face. Voilà la plage. Ah, ce que j'ai trouvé très amusant ici, c'est lorsque le bonhomme est vert pour pouvoir traverser, passer lorsqu'il reste que 10 secondes avant que ça devienne rouge pour le bonhomme il se met à courir. Ça, c'est trop cool. Ici on voit aussi un peu de nos frères et sœurs qui vendent des quelque chose à vendre histoire de se faire de l'argent. Voici la plage. Je vois que de ce côté-ci, ils construisent une petite digue. Alors, d'ici non plus, on voit toujours pas le Maroc de l'autre côté. Je pense qu'à Gibraltar, on verra, mais là, pour le moment, on voit rien du tout.
Thank you.